Anton Bruckner, connu pour sa modestie, son amabilité et son génie musical, n'en était pas moins en proie au doute, mais sa foi en Dieu, elle, jamais ne faillit. Toujours en avance sur ses contemporains, il était l'un des plus brillants symphonistes, organistes et compositeurs de la période romantique. Toute sa vie, Steyr a occupé une place bien particulière dans son cœur. Formé à la musique par son père, il a été tour à tour petit chanteur à Sankt Florian, puis maître d'école à Windhag et Kronstorf. Steyr était à l'époque un fleuron culturel et musical du pays, qui exerçait une grande attraction sur le jeune Bruckner, particulièrement fasciné durant ses années formatrices à Sankt-Florian par l'orgue de l'église paroissiale, œuvre de Franz Xaver Christmann, datant de 1772. Anton Bruckner possédait un don inégalé pour l'improvisation. Toute sa vie, le pouvoir de la musique va se révéler un précieux compagnon. En 1868, son parcours le conduit à Vienne, via Linz, où il est à la fois professeur au conservatoire et organiste à la cour. Par la suite, Anton Bruckner devient même docteur honoris causa de l'Université de Vienne. Il revient volontiers à Steyr, en été notamment, où il trouve calme et repos et où les gens de la ville lui témoignent estime et bienveillance. Les traces d'Anton Bruckner restent très présentes en ces lieux, nombre de ses derniers chefs-d'œuvre y ayant été en grande partie créés. La ville s'enorgueillit tout particulièrement du fait qu'Anton Bruckner ait travaillé sur ses deux dernières symphonies à Steyr. Il y profitait de la tranquillité et de conditions idylliques en été pour échapper au tumulte de la métropole viennoise, comme il a lui-même décrit, et trouver à Steyr le calme nécessaire au travail de composition. C'est ainsi qu'à partir de 1885, il se lance dans l'écriture de sa 8e symphonie. Il écrit le premier mouvement avant de s'attaquer déjà à la 9e symphonie. Fait marquant, c'est à Steyr qu'il a peaufiné sa première symphonie et remanié intégralement son requiem. Il a en outre travaillé sur la composition Helgoland, tandis qu'une autre, aujourd'hui perdue et intitulée Die Rose, en rapport avec le quartier de Sierning, aurait également été créée ici. Si Bruckner vénère Richard Wagner, Gustav Mahler lui voue un culte. Au catalogue des œuvres d'Anton Bruckner, on trouve 149 titres, dont 11 symphonies, une autre inachevée, plusieurs messes, des pièces chorales sacrées et profanes. En réponse à ses détracteurs, il n'aura de cesse de retravailler ses œuvres. Il clôt son ébauche de 8e en 1885 à Steyr par la mention « Alléluia », devenue célèbre. Anton Bruckner.
Les sonorités de la ville de Steyr, qu'entendait Anton Bruckner, résonnent encore dans ses compositions. Ce sont en fait les cloches de l'église paroissiale que l'on entend très clairement dans sa 8e et 9e symphonie, écrite en grande partie ici. J'arrive tout juste à Steyr et j'entends y travailler de façon permanente, écrit-il en 1887. Il va dès lors passer de plus en plus de temps dans la ville du fer. Outre son travail de compositeur, il entretient des liens d'amitié avec les chorales locales et la Société des Amis de la Musique de Steyr. Ses compagnons de route sont Georg Pointner, maire de Steyr à partir de 1879, Georg Arminger et Johann Eichinger, tous deux pasteurs, Leopold Hofmeier, musicien et copiste, Karl Almeroth, ami et mécène à qui il dédie le morceau Abendzauber, et Anton Gruber, maître de chœur de l'église paroissiale de la ville et cofondateur de la Liedertafel de Steyr. Les origines de l'actuel MGV Sängerlust Steyr remontent à 1844, année de fondation de la Liedertafel, et à 1858 qui a vu naître l'association Kränzchen. Bien plus qu'une société de chant masculin, elle est surtout un club à vocation sociale. Bruckner a été membre honoraire de ces deux associations. Le patrimoine musical de Bruckner, son héritage et les documents qu'il nous a laissés unissent à jamais le MGV Sängerlust à Anton Bruckner. Bruckner y a côtoyé Josef Wernel, le pionnier industriel de Steyr, et était accueilli en ami dans la maison du quartier de Wehrgraben du fabricant de brosses Anton Meyer. On y soit qui pense, les visites de Bruckner motivées par la présence de jolies filles, de merveilleuses chanteuses au demeurant. La fille, Johanna Meyer, future Scholz, était une soliste de talent qu'il avait surnommée avec enthousiasme sa prima donna. Bruckner ne s'est jamais marié. Il n'a aucun enfant. Dans la Gletschersaal du barbier et poète local Josef Stöger, au confluent de l'Enz et de la Steyr, il a insisté pour qu'on lui coupe les cheveux sans tondeuse. « Range-moi ce machin », exhorte-t-il Stöger, qui conservera les fameux cheveux pour la postérité. Bruckner entretient avec Franz Xaver Bayer une grande intimité tant humaine que musicale. Son ami le plus cher, comme il se plaît à l'appeler, est maître de chœur et vit avec son épouse Jula dans la vénérable Messnerhäusel. Bayer a beaucoup fait pour que les œuvres de Bruckner soient jouées dans l'église paroissiale de la ville. En 1891, Bruckner propose des improvisations sur ses 7e et 9e symphonies. Et bien que déjà très malade, Bruckner joue encore de l'orgue lors d'une représentation de sa très acclamée messe en ré mineur en 1893. En 1894, Bruckner quitte à nouveau la ville pour Vienne. Il n'y remettra plus jamais les pieds. Au cours des deux dernières années de sa vie, il devra se contenter de rapports purement épistolaires avec ses amis de Steyr. Le 11 octobre 1896, le compositeur s'éteint. Son vœu le plus cher, être inhumé à l'abbaye Sainte-Florian, sera exaucé.
en 1898, un monument rendant hommage à l'œuvre du musicien de Dieu sera dévoilé sur la place qui porte aujourd'hui son nom, à Steyr, la ville où il aimait tant séjourner chaque année.